Bienvenue dans ce tutoriel sur Inkscape. On va vous expliquer deux méthodes pour faire de l'extrusion avec à partir de textes que nous allons donc taper à l'écran. Donc l'extrusion, c'est quoi? C'est un effet 3D qui donne l'impression que le texte est en profondeur. Donc dans un premier temps, nous allons choisir la méthode extrusion normale à partir de extension. Donc je vais taper mon texte à partir de là. Alors je tape le texte en majuscule avec, avec un espace entre chaque caractère. Donc je tape R-A-L. J'ai un espace exprès, c'est pour voir, mieux voir l'effet d'extrusion. Donc là j'ai déjà mon objet texte qui est là. Et je veux le. Alors ça marche. En fait l'effet extrusion ne marche que sur des chemins. Donc ce qu'il faut, c'est que je transforme cet objet texte en objet chemin. Donc pour cela, je vais dans chemin, objet en chemin. Ensuite, je vais dans objet dégroupé pour séparer les différentes lettres. Puis ensuite, je retourne dans chemin union pour refaire un chemin complet avec les objets textes séparés. Donc, alors une fois ceci fait, je vais dupliquer le texte en allant dans édition, dupliquer. Et là j'ai deux versions. Alors dupliquer, on peut le faire aussi avec CTRL D. Alors, pourquoi? En fait là vous voyez, il y a un magnétisme qui s'applique. C'est parce qu'en fait là l'option qui est à droite là, l'aimant, il est activé. Je vais le désactiver parce que ça va m'aider pour la suite. Donc maintenant je vais créer un. Enfin je vais plutôt modifier le texte en avant en la faisant en plus grand. Alors je vais changer les couleurs là déjà dans un premier temps. Alors je vais modifier la taille de celui qui est en avant et changer la couleur pour la faire apparaître en rouge. Je vais prendre ce rouge là, D4000, non FFF, voilà. Et celui qui est à l'arrière, je vais le mettre en rose afin de le distinguer. Voilà. Donc ouais, celui qui est là, il est bien à l'avant. Et donc on a nos deux chemins là de texte. Et je vais essayer de caler les deux U là pour qu'ils apparaissent comme ça. Voilà, j'ai positionné les deux chemins l'un devant l'autre. Alors effectivement, on peut faire plusieurs positionnements là. On peut mettre soit l'un devant l'autre, soit le chemin à l'avant plus en bas et le chemin à l'arrière plus en haut, ou etc. On peut faire différents effets. On verra ça par la suite avec un. Enfin, on verra une image où les différents formats apparaissent. Donc là, je sélectionne les deux chemins. Et je vais dans extension, générer à partir du chemin, extrusion. Donc il y a deux types d'extrusion là, il y a polygone et ligne. Alors si je fais ligne, ça fait quoi? On voit que les lignes qui apparaissent, là. Il n'y a pas de polygone. En fait, en tout cas, ça permet de voir ce que ça fait dans un premier temps. Ça crée des lignes entre des points clés de chaque lettre vers les mêmes points clés de la lettre en arrière. Et par contre pour le R là on voit que effectivement parce que le R ça il y a un cercle là et ça crée des points clés sur les différents points différents endroits du cercle, ça en crée en gros 3. Pareil pour le U là, ça crée 3 points clés par cercle. Un à une extrémité, un au centre et un à l'extérieur. Bon, ce que je veux c'est un polygone. Donc je crée un polygone. Et en fait dans le polygone, contrairement aux lignes, ça remplit avec une couleur les quadrilatères. Ça crée des quadrilatères là où ça remplit avec une couleur. Donc je fais appliquer et je ferme. Alors là ça donne pas quelque chose de joli parce que effectivement celui qui est là il a été créé et donc il apparaît en avant-plan par rapport aux deux autres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien on va descendre cet objet là. Voilà. Il se retrouve à sa place. Donc l'objet 3D là, extrusion, ça crée bien des polygones avec des couleurs gris transparent et en contour noir. Ce qu'on veut, c'est pas vraiment ça. On va reprendre le rouge là et on va prendre celui-là. Ce qu'on veut, c'est plutôt avoir en couleur de fond plutôt ce rose là et ne pas avoir les contours là. Alors comment je fais? Ben, je vais dans objet
fond et contour. Et là, le contour, je veux, il vient en aplat là, donc le aplat est sectionné. Je veux pas de remplissage pour les contours. Voilà, donc on a juste la couleur de fond qui apparaît. Oh, ça fait une jolie perspective. Et ce que je veux, c'est que la couleur de fond, par contre, elle soit rose, comme celle-là. Alors celle-là, la couleur FF8080FF, donc ça doit être celle-là, je pense. De toute façon, ça n'a aucune importance puisqu'on va pas garder le. Oh, c'est un peu trop pâle là. On va mettre plutôt celui-là. Voilà. On va pas garder l'objet de fond là. On va juste garder ces deux objets-là. Et donc là, il apparaît en transparent. Alors, ce que je fais, c'est que je vais là, puis là. Non, ça marche pas. Dégradé linéaire. Voilà. Bon, il y a un petit bug là. En fait, par défaut, il devrait être à 100% d'opacité. Il l'est pas. Donc maintenant, je reprends l'objet qui est en avant-plan pour le repositionner là. Alors, auparavant, ce que je vais faire, c'est que je vais magnétiser là pour que, en fait, ça. Voilà. Ton affiche, la première partie là, qui concerne l'extrusion, en utilisant la partie extrusion. Donc maintenant, nous allons voir la deuxième partie. Alors, deuxième méthode que nous allons voir, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas très adaptée parce que elle utilise plus de ressources, mais en même temps, ça permet de faire un dégradé, c'est l'interpolation. Donc là, on repart avec nos deux chemins de tout à l'heure, le chemin en avant en rouge et le chemin arrière qui est en rose. Nous allons appliquer l'effet interpolation, donc extension. Générer un chemin à partir d'un chemin, et là au lieu d'extrusion on va dans interpoler. Alors en fait, par défaut là on a ça en paramètres, dupliquer les extrémités et 2 en méthode d'interpolation, et étape d'interpolation égale 5. Alors en fait, moi je vous conseille le 1 parce que ça fait moins d'effet et au niveau de ces textes là, et donc ce sera peut-être plus le bienvenu, enfin ce sera mieux. Ce sera un meilleur choix. Interpoler le style. Alors en fait, interpoler le style, c'est pour la couleur. Si j'enlève ça, c'est à partir de la couleur de celle qui est en arrière-plan. Donc ça va être en rose. Et si je mets ça, ça va aller du rose vers le rouge. Et utiliser le rendu empilement. Voilà. Donc là, il y a 5 étapes d'interpolation. En fait, interpolation, c'est quoi? Ça crée des copies en graduelles de l'avant vers l'arrière, ou plutôt de l'arrière vers l'avant en ce qui concerne. Donc ça va augmenter la taille progressivement, et ça va aussi changer la couleur puisque j'ai interpolé le style. Donc je fais appliquer. Et là, donc j'ai un troisième objet qui apparaît. Et là, effectivement, on voit les étapes intermédiaires là. Alors si j'applique un contour ici, alors le contour il n'y en a pas, si j'en applique un, on voit effectivement que ça fait comme une sorte de bande dessinée qui se répète, enfin une sorte de texte qui se répète de l'avant vers l'arrière en diminuant en taille. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a des effets qui sont un peu bizarres, donc c'est un effet qui est plutôt à utiliser avec parsi avec enfin, en pratiquant beaucoup de tests pour voir ce que ça fait. Donc là, en fait, on voit qu'il y a des étapes intermédiaires. Donc là, il y en a plus de 5, effectivement, malgré qu'il y a écrit 5 tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nombre d'étapes intermédiaires générées à partir du chemin. Donc, on fait interpoler, et au lieu de mettre 5, on va mettre 20. En gardant tout cela, dupliquer les extrémités. Voilà, il n'y a pas d'aperçu en direct, en fait, dans cet effet-là. Donc je fais appliquer, et là en fait ça me fait une sorte de fusion, enfin de trucs psychédéliques qui va de l'avant vers l'arrière. Bon, c'est un effet qui est un peu étrange. Enfin, ça fait comme une sorte de flou de l'avant vers l'arrière. C'est assez étonnant comme effet. Donc voilà, si vous voulez pratiquer quelque chose qui soit un peu hors norme, voilà, ça fait un effet d'extrusion mais avec une sorte d'effet de flou. Voilà, donc on a terminé avec ce tutoriel sur l'extrusion. J'espère que ça vous a plu, que vous pourrez utiliser ça à bon escient. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.